j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul Primark. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à Primark et aujourd'hui je suis allée avec mes copines Mélanie de la chaîne Happy Together 17 et Daisy de la chaîne La Paillette Parisienne. Je vous mets tout de suite une photo de nous trois et je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Sur mes lèvres, je porte le rouge à lèvres de Sergio Alvarez, SLA. La teinte Rub. Oui, ils aiment bien donner des noms d'hommes. Alors rouge à lèvres mat. Donc le voici. Je le trouve trop beau. Il est trop sympa. Et c'est un liquid matte lipstick. Qui est le numéro 21. Donc Rub. Voilà, pour celles qui savent. Parce qu'en fait, en barre d'infos, j'oublie toujours de donner les références, donc je préfère le dire en début de vidéo. Alors, chez Primark, j'y allais, surtout pour Daisy qui voulait découvrir Primark, parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été. Et moi, je voulais un plaid et quelques petites choses pour ma fille. Bon, j'ai craqué forcément pour moi aussi, mais j'ai pas fait un craquage dingue. Il y a certaines mignonneries, donc on va voir tout de suite. Pour le plaid, j'ai acheté un plaid tout basique. Rose clair pour ma fille, au lieu de 5€, il était à 4€, donc c'est pas la réduction du siècle, mais c'est toujours ça de gagner. Il y avait un plaid Marie, vous savez, des Aristochats, je crois. J'ai hésité à lui prendre, mais je me suis dit que de toute façon elle s'en fichait de Marie ou de Disney ou quoi. Et qu'un plaid rose tout doux, ça lui suffirait. Donc voilà, c'est un 125 sur 150 cm. Donc je pense qu'elle sera ravie. Toujours pour Kayla, ma fille, je lui ai pris un pyjama pilou pilou, oui, pour aller à Lille. Parce que là-bas, il fait froid. Et chez ma belle-mère, il fait pas chaud. Donc voilà, c'est un pyjama comme ça, manche longue. Puis je me dis au pire, voilà, pour le dimanche, pour rester à la maison, ça sera aussi très bien. Et il était à 8€, ma foi, il est pas donné. Mais il est tout mignon, tout chaud. Avec un petit cerf, je pense, dessus. Et c'est du 3-4 ans. Et le pantalon est tout fleuri comme ça. Donc voilà, ma foi, je le trouvais très mignon, très joli. Parfait, elle sera ravie. Toujours pour ma fille, je lui ai pris des chaussettes. Parce qu'elle commence à avoir des grands pieds. Ses chaussettes commencent à être petites. C'est du 27, taille 27-30. Il y a 5 paires de chaussettes un peu glitter, comme ça un peu pailletées, pour 4€. Je lui ai pris aussi des petits chaussons licorne. Alors ça, je pense qu'elle va être trop trop contente. Donc voilà, c'est toujours 27-30 la taille. Ils étaient à 3,50 je crois, parce que l'étiquette c'est volatilisé. Mais je crois que c'était 3,50 les petits chaussons comme ça, mout-mout, licorne. Donc j'espère qu'elle les mettra et que ce sera pas trop grand parce qu'elle fait du 27. Donc ensuite, je crois que pour ma fille, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, 3,50, c'est bien ça. Donc pour ma fille, c'est tout. Moi, j'ai craqué. Alors, je ne suis pas hyper fan de ce genre de chaussures. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça. Mais voilà, j'ai jamais passé le cap. J'en ai essayé justement hier avec mon mari dans un chausséa et ça m'allait pas trop trop au pied. Et celle-ci que j'ai testée chez Primark était, ma foi, pas trop mal, on va dire. Ça faisait pas des pieds d'ogresse, hein. Ça faisait des pieds corrects, on va dire. Mais voilà, j'ai pris la version noire en taille 40 parce que ça a taille grand, je trouve, quand même, chez Primark. Essayez-les surtout avant d'acheter. Voilà, taille 40, 41. Celle-ci, ça va. Elles sont pas trop mal et j'en ai pris une paire. Donc celle-ci, elles étaient à 10€. Et j'ai pris une paire de bleus, un peu de jean, qui était à 6€. Et j'ai pris en taille 39 parce que 40 c'était beaucoup trop grand. Mon pied s'en allait. Et 39, ça va. C'est pile poil, on va dire. Donc faut pas mettre des grosses chaussettes avec, mais ça va. Alors que moi je fais du 40, hein, je vous explique à la base. Donc voilà, mais 6€, je me suis dit, voilà, ça fera l'hiver et c'est pas grave. On verra bien ce que j'en pense et si ça me plaît pas, si ça va pas et si ça plaît pas à mon mari, je les ramènerai. Ensuite, j'ai craqué au niveau beauté pour deux petites choses. Donc, un espèce de tapis pour nettoyer vos pinceaux, rose comme ça, en forme de cœur. Alors, je sais pas du tout s'il y a une ventouse en dessous parce qu'on pouvait pas regarder. Donc, j'ai pas osé ouvrir. Mais voilà, je me suis dit pour laver mes pinceaux, ça allait être bien pratique. J'ai déjà un truc dans ce style-là, mais pourquoi pas celui-ci à 3€. J'ai acheté un range coton, mais ovale. Donc comme ceci, à 3€ aussi. Donc j'en ai un basique pour les cotons ronds, comme ça, hein, du coton tout simple. Et du coup j'en voulais un ovale et j'ai repris des cotons du coup ovales, qui étaient donc à 2€ ce ovale et 75 centimes les ronds basiques. Ensuite j'ai craqué pour un pyjama. Un pyjama qui fait un peu sweat, un peu jogging on va dire, mais je le trouvais trop classe. Alors vous allez peut-être pas voir, il est blanc, il a une espèce de col roulé comme ça qui se resserre ici. Il a des poches comme les sweats ici, vous savez, au milieu. Et il y a des petits effets. Des petits effets un peu comme les pulls tressés, vous savez.
sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est trop trop beau, il a les manches qui sont resserrées au bord, il est hyper hyper doux, il est moumoute mais sans être trop trop chaud je pense, il est vraiment sympa comme pyjama, et pareil comme tenue du dimanche ça peut être parfait, il était à 10€ le haut, 10€ le bas, donc ma foi je trouve ça un peu cher, mais la qualité est là quand même. On verra. Et pour le pantalon, c'est dans le même style, hyper hyper tout doux. Et les poches sont comme la poche du haut. Je sais pas si vous verrez. Un peu, vous verrez, un effet tressé comme ça. Donc elles sont trop jolies. Et il y a deux poches. Et voilà, il est resserré en bas. Et ma foi, il est trop bien. Il est à 10€ aussi le bas. Alors faudra faire hyper attention quand vous allez au magasin. Mais le bas, il était aussi à 16€. Genre la taille M, elle était à 16€. Pourquoi, je ne sais pas. Et les autres tailles étaient à 10€. Je sais pas ce qu'ils leur est arrivé à Primark, mais ils ont pété un câble. Et pour finir, c'était des petites choses soldées, un peu style Noël, et du coup, je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et du coup, au niveau mignonnerie, soldée, donc à 50 centimes au lieu de 1, je crois, oui, c'est 50 centimes au lieu de 1, des espèces de die-cuts comme ça, de Noël, pour, vous savez, vos étiquettes de cadeaux, avec des petits trucs de Noël, là, et des petits trucs rose gold. Et celui-ci, aussi, pour celles que ça intéresse, à 50 centimes au lieu de 1€. Et des petites cartes aussi de Noël à 75 centimes au lieu d'1,50€. Alors le paquet était ouvert, c'était les dernières boîtes. Mais ma foi, les petites cartes, elles étaient trop mignonnes. Je crois qu'il y avait plusieurs styles. Il y avait 4 styles différents de cartes. Regardez comme elles sont trop jolies. Et voilà, je suis pour 75 centimes. Même si ça ne me sert pas pour cette année, ça me servira pour l'année prochaine. Ou pour mettre des petits mots doux, je trouve ça très sympa. Donc ça, c'est cool. 75 centimes, c'était raisonnable. Voilà pour mes mignonneries du jour et mon petit craquage Primark. J'ai pas fait de grosses folies, vous avez vu. N'hésitez pas à me dire vos dernières trouvailles chez Primark si vous avez trouvé des choses sympas. J'ai hésité à craquer sur un haut, mais je me suis retenue. Je préfère attendre les soldes pour aller chez Promode et Kiabi et H&M pour m'acheter des petits pulls. Parce que là, celui-ci par exemple, je vous en ai parlé dans une autre de mes vidéos Primark. Et ce sont des pulls qui sont très jolis, mais honnêtement, moi je les mets beaucoup. Je les lave donc beaucoup. Et ça tient pas beaucoup. Donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu les achats Primark au niveau des pulls. En tout cas pour moi. Et alors les pantalons n'en parlons pas. On va dire que ça me va pas forcément. C'est bizarrement taillé. Moi je suis pas hyper fan au niveau des vêtements Primark. Voilà. J'aimerais me tourner vers d'autres enseignes que je préfère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et à vous abonner ici si ce n'est pas encore le cas. Salut salut !